Mais d'autres erreurs, commises lors de l'apprentissage d'une langue cible, sont totalement indépendantes du code de cette langue cible. Ainsi, dans une même classe, on pourra observer, par exemple, que les élèves dont la langue maternelle est l'arabe tendent certes à commettre les mêmes erreurs, mais ne commettent pas les mêmes erreurs que ceux qui ont le russe pour langue maternelle ou que ceux dont la langue maternelle coïncide avec la langue d'enseignement. L'interlangue est une stratégie d'apprentissage, consciente ou non, que l'élève qui apprend une langue cible va développer pour résoudre ses difficultés d'apprentissage de cette langue. Cette stratégie va amener l'élève à créer des règles qui ne s'appliquent ni à sa ou ses langues sources, ni à sa langue cible, mais qui lui permettent de communiquer dans la langue qu'il est en train d'apprendre. Et dans une situation de classe, de répondre aux attentes de l'enseignant.